Voici que mon serviteur prospérera. Il grandira. Il sera exalté, souverainement élevé. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'étant plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes. Ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses. Devant lui les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru ce que nous avons entendu? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il s'est élevé devant lui comme un frêle arbrisseau, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face. En butte au mépris, nous n'en faisions aucun cas. Vraiment, c'était nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous le regardions comme impuni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun de nous suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite, et lui se soumet et n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie, et à la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvre point la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement, et, parmi ses contemporains, qui a pensé qu'il était retranché de la terre des vivants, que la plaie le frappait à cause des péchés de mon peuple? On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort il est avec le riche, alors qu'il n'a pas commis d'injustice et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance, mais quand son âme aura offert le sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et le dessein du Seigneur prospérera dans ses mains. À cause des souffrances de son âme, il verra et se rassasiera. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part parmi les grands. Il partagera le butin avec les forts. Parce qu'il a livré son âme à la mort, et qu'il a été compté parmi les malfaiteurs. Et lui-même a porté la faute de beaucoup, et il intercédera pour les pécheurs.